Les arènes gonflées d'une foule en délire regorgent de couleurs et d'âpres envies de sang. Il y a des soupirs et des éclats de rire et des épées pointues comme des cris d'enfants. On y vend des serments, des anges et des âmes, des cacahuètes, des jeux de fruits et des drapeaux. Des chapeaux de papier dont se parent les dames. On y vend de la mort noire comme un taureau. Soudain, la foule crie comme pour une éclipse. Cyclone de folie, remous d'apocalypse. Car voici celui de celui dont, celui qui, celui quoi, celui qui, la laï, que l'on attend le matador, porté par la lumière, le matador qui porte de la peur. C'est l'enchevêtrement de deux monstres qui bougent. La lutte a commencé, hissé par les bravos, dans des valses de bons, bons, de bons à capot rouge. Qui donc est le plus seul, de l'homme ou du taureau? Et pendant ce temps-là, la Méditerranée qui se trouve à deux pas joue avec les galets. La bête a longuement respiré la poussière, elle a humé la mort qui longuement passait dans un saut fabuleux qui fit trembler la terre. Elle a choisi la mort qui fut son invité. En explosant d'un tumulte biblique, paré donner son sang à ce sang réplique. Car voici le moment de le moment, quoi le moment qui, le moment que, le moment qui, la laï, que l'on attend le matador. Porté par tout un peuple, le matador, victorieux de sa mort. Demain, quand sonnera à l'heure catalane le midi au soleil, éreinté de repos, vous verrez, j'en suis sûr, à l'église romane, entrer le matador pour dire son credo. Et pendant ce temps-là, la Méditerranée qui se trouve à deux pas joue avec les gars.